Salut les cricketeurs, c'est Anso du blog Je crée, je cut et aujourd'hui je vais vous montrer la calibration de la lame rotative. La lame rotative, c'est la lame qui est incluse avec votre machine, la Cricut Maker, et qui permet la découpe de la feutrine et des tissus. Elle est vraiment hyper pratique, mais elle nécessite d'être calibrée de façon récurrente, tout comme les autres lames, enfin, la lame couteau et l'option de l'impression puis découpe. Donc on va insérer la lame rotative dans la machine et on va partir sur le Cricut Design Space. Dans le Cricut Design Space, vous devez faire le calibrage depuis votre ordinateur, PC ou Mac, et vous allez cliquer sur les trois barres. Ensuite, vous cliquez sur Calibrage et sur Lame rotative. Vous insérez la lame rotative dans la mâchoire B, je vous l'ai déjà fait. Et on va mettre une feuille blanche sur le tapis jaune. C'est une simple feuille blanche d'imprimante. Le tout, c'est de bien suivre les petites lignes en dessous. Apparemment, ça, c'est déjà compliqué pour moi. Et voilà. Hop, on va la mettre dans la machine et on clique sur Continuer. On sélectionne la machine. Donc moi, c'est via Bluetooth, on charge le tapis. Et une fois que le bouton Go clignote, on peut commencer le calibrage. Alors, il nous demande maintenant de décompter à partir du haut et de sélectionner le groupe de lignes qui se chevauche le plus. Donc normalement, il y a 7 groupes de lignes. On va regarder ensemble. Et celui qui se chevauche le plus... Donc si ça c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. C'est le quatrième groupe. On clique sur continuer. Et le calibrage est terminé. Je vous conseille vraiment de le faire de façon très récurrente parce qu'un calibrage qui manque, c'est vraiment l'assurance d'une découpe imparfaite. Et quand on a du tissu, on n'a pas envie de rater les découpes. N'hésitez pas à aller sur mon blog pour d'autres tutos. Et vous retrouverez aussi le tuto hyper facile pour importer des patrons dans le Design Space. Et à bientôt pour d'autres vidéos!